Salut à tous, c'est Nat Le Pro, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la patate, le concombre, la tomate, le cornichon et toutes les palettes qui vont avec. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est simple, construire une cabane dans un arbre et dormir dedans pendant une nuit. Voilà. Oh, il y a trop de choses. Oh, regarde, ils sont trop mignons. Oh, regarde, et même lui, regarde, il est dessus. Bah alors, tu veux faire la vidéo avec moi, mon petit chien? Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ils vont rester là pendant que je ferai la vidéo. Hein. Ils me soutiennent. Pour fabriquer cette cabane, il va falloir du lourd, une base costaud. Parce qu'on va dormir la nuit, il faut pas qu'on s'écroule. Alors, mon gars, regarde cet arbre là. Tu vois, celui-là là. Cet arbre là mon gars, on l'a coupé. Vous avez la vidéo juste maintenant. Wow. La puissance. Voilà mon gars, grâce à ma force de bûcheron, on a réussi. Et puis, bah, pour monter dans cette cabane, il nous faut une échelle. Est-ce que vous voyez une échelle? La réponse est non, parce qu'elle est derrière. Et voilà l'échelle qu'on a faite. Regarde comment elle est belle. T'es prêt? On va tester l'échelle. Coucou! C'est là-dedans qu'on va dormir cette nuit. Enfin, pas cette nuit. Parce qu'il faut quand même la construire. Et là, il est 19h. Mais je vais avancer et demain soir, je vais y dormir. Là, on va quand même la construire. Alors, regardez, je vous fais visiter les gens. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais démonter les palettes et récupérer toutes les planches. C'est parti. Je vous mets en accéléré. Ok, ok, ok. Bon, voici toutes les planches que j'ai récupérées en démontant les palettes. Voilà, il y en a énormément. Bon, avec ça, je pense qu'on va pouvoir faire le plancher et un ou deux murs. On verra. En démontant ces palettes, regardez tous les clous que j'ai pu récupérer. Ouais, il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on va pas pouvoir les utiliser parce qu'ils sont complètement défoncés. Ne paniquez pas, j'ai pu quand même en récupérer 3000. Oui, 3000. Regardez. Voilà, il y en a beaucoup. Et en plus, ils sont de bonne qualité. C'est nickel. Ouais. J'ai également fabriqué ces deux murs-là qui vont être... Ah, le coq. J'ai également fabriqué ces deux murs-là. Bon, vous inquiétez pas pour les trous. C'est provisoire, je vais les boucher tout à l'heure. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à monter en haut de la cabane et faire le plancher. C'est parti. Bon, je vous avais montré la poulie, et cette poulie, elle va être très pratique. Elle va nous servir à monter les outils et les planches. J'ai déjà commencé à la fabriquer, cette cabane. Voilà, j'ai créé une plateforme, justement, pour placer la caméra. Et on pourra me voir quand je la construis. Ok, c'est bon. Regardez tout ce qu'il y a. Waouh ! On n'a plus qu'à tout fixer. On n'a plus qu'à tout fixer, ça devrait être bon. C'est parti. Bon, je m'excuse pour les voisins, je vais donner pas mal de coups de marteau, mais bon, en ce moment, c'est le confinement. Et c'est tous les jours dimanche. Lundi dimanche, mardi dimanche, mercredi dimanche, jeudi dimanche, vendredi dimanche, samedi dimanche et dimanche. Voilà, donc il faut bien faire un peu de bruit, hein, sinon...
D'ailleurs, mon voisin, quand j'étais petit, je l'appelais Pâté. Et du coup, lui, il m'appelait Cornichon. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un signe. Vous entendez ça? Je crois que c'est un orage. Je suis dans la merde, gros. Faut que je me dépêche ou alors... je dormirai dedans demain. Hein. Demain soir. Bon, il commence à pleuvoir. On reprend ça demain. On se retrouve. On est le lendemain. Il est 10h du matin. J'ai toute la journée pour finir cette cabane. Pas de temps à perdre. Yo, ça va ou quoi les gens? Eh, j'ai avancé. Gros, y a mon chien dans... Y a mon chien dans la cabane, gros. Ouais, je l'ai monté. On est bien là? J'ai bien avancé sur la cabane. Bon, il reste plus que les murs à finir et à mettre le toit. Voilà, mais ça va prendre pas longtemps, vous inquiétez pas. Cette nuit, je dors dedans. Il fait 3 degrés cette nuit. Donc, il va falloir prévoir des couvertures. Hein. Allez, c'est parti, je monte. Et voilà, on est dans la belle cabane. Ça va mon pépère? Ça va mon Joey? Oh, il tourne la tête. Allez, on avance. On est là dans le bendo avec mon petit chien. Et là, on n'a plus qu'à s'allonger. Oh, et à dormir. Et hey, c'est le paradis en vrai. En vrai, c'est trop bien qu'on sorte des cabanes. Gros, en plus, elle est solide celle que j'ai fait, gros. C'est trop bien. Allez, je finis les murs et je construis le toit. Et on se retrouve juste après. C'est parti. J'ai plus que le toit à mettre. Bon, on dirait plus un bidonville qu'une cabane là, mais... Ok les gens, là on arrive à la nuit. Le but a été de récupérer un maximum de couverture. Voilà. Sauf que il y a un petit problème, c'est que cette nuit il y aura beaucoup de vent. Genre 70 km de vent et il fera 3 degrés. Donc ça va être un peu compliqué avec cette cabane là. Ça a été un peu froid, hein. Je vous cache pas que si j'ai froid, je me barre dans la maison, hein. Non, mais on va pas déconner non plus. Hein. On est là pour faire des expériences, mais faut pas être taré, hein. Je vais pas être malade, hein. Oh, non mais bon, allez, c'est parti. Je monte tout ça, on installe tout. Et hey, je vais être trop bien. Je vais être trop bien, les gens. Je vais être dans mon petit truc là, dans mon petit cocon là, dans le ventre de ma maman. Ça va être trop marrant. Allez, c'est parti, on se retrouve. Bon, on me voit pas très bien parce qu'il fait nuit. Remarque, c'est stylé quand même. Salut à tous, c'est Nat le Pro. Aujourd'hui, expérience paranormale. Enfin, peut-être qu'on va voir des expériences paranormales. Parti, on va monter là-dedans, on va voir. Hein. J'ai préparé un de ces trucs, gros. Gros, c'est un truc de ouf. On a les petites chaussures qui sont là. On a le trépied, on a la petite bouteille d'eau et regardez à l'intérieur, gros. T'es prêt? T'es prêt, gros? Wouah!
T'as vu tous les coussins qu'il y a? Oh! Hey, je vais être bien cette nuit, gros. Il y en a, ils dorment dans des châteaux, il y en a, ils dorment dans des palaces, il y en a, ils dorment dans des hôtels. Et moi, je suis là, tranquille, au fond du jardin, dans un arbre de 5 mètres, dans un cerisier de 5 mètres. Le problème, c'est qu'il va faire très froid cette nuit. Mais là, j'ai pas froid, là. On a même plutôt chaud. Regarde, mon gars, l'isolation qu'on a, mon gars. On est bien, là. Eh, on dirait que je suis dans un bidonville. Eh, mais ils dorment trop bien, les bidonvilles. Oh. Il n'y a plus qu'à reboucher ce trou parce que ça me fait froid au pied. Oh, j'ai froid. Allez, c'est parti. Ah. Et les gens, je viens de boucher l'entrée. Eh, on est bien là. Là, il n'y a presque pas de trou. Bon, il y a juste ce petit trou là. Eh, on n'est pas bien là. C'est que je commence à avoir chaud en plus là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à me mettre dans le duvet et puis on va regarder des vidéos sur YouTube. On va se mettre bien. Hein. Il reste plus que le petit panaché et puis c'est bon quoi. Je me mets dans le sac de couchage. Wesh les gens, jamais j'aurais cru dormir dans une cabane comme ça. Fabriquer la cabane et dormir dedans la nuit, gros. Vous savez quoi, dans la vie, il y a les baiseurs et il y a les baisers. Bon, moi je me suis fait baiser parce que je dors dans une cabane à 5 mètres de haut et il va faire 3 degrés. Bon, Alexis, il aurait bien voulu venir, mais malheureusement, il a une gastro-entérite. Du coup, bah, il a dû rester là-bas parce que s'il chie partout à côté de moi, ça va pas le faire. Il voulait venir, mais... Mais mes parents, ils ont eu peur qu'il ait un peu froid, quoi. Déjà, je teste la cabane, et après, il pourra peut-être venir. On verra, on verra. C'est mon rêve de devenir youtubeur, c'est mon rêve, ouais. C'est mon rêve de dormir dans une cabane où il fait faire 3 degrés, gros. C'est pas... Mais wesh. Mais on est bien, on est bien, on est bien. Faut pas se plaindre, gros. Il y en a, ils dorment dans des puits, gros. Non. Non, c'est faux. Merde. Puis on se retrouve, hein. C'est parti, hein. Gros, j'ai l'impression qu'on me secoue. Bon, les gens, il est 1h30 du matin, là, je commence à être fatigué, je vais dormir et puis on se retrouve si je me réveille dans la nuit. Hein. C'est parti. C'est parti, alors que je vais dormir. Oh. Peut-être que j'ai au réveil, gros. Bon, écoutez, les gens, je viens de me réveiller. Il est 8h30. Oh, ça va. Ça va, toujours debout. Non, en vrai, j'étais réveillé toute la nuit, mais... Vous êtes tous à me dire, ouais, faut couper ta moustache. Les gens, ça fait 18 ans que j'attends qu'elle pousse, ma moustache. Arrêtez avec ma moustache. Ouais, il fait quand même froid, mais... En termes d'isolation, ça va, mais... On sent quand même du froid. Du coup, pour bouger le froid, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Et puis là on a bien. Là on est bien, mon gars. Voilà, et j'ai dormi comme ça toute la nuit. On peut dire que c'est une mission réussie, hein. Plus que le montage à faire, les gars, hein. Bon, c'est pas ma meilleure nuit, je vais pas vous le cacher. Et je vais retourner me coucher, hein. Et où les gens, il est 10h, il fait beau. Bah, je vais sortir et puis je vais faire le montage de cette vidéo. Hein. J'ai réussi le défi, construire la cabane et dormir dedans. Voilà. Bon, après, j'ai peut-être eu un petit peu froid la nuit. Mais heureusement que j'avais toutes ces couvertures là. Parce que sinon, j'aurais pas tenu. Hein. En été, je pourrais dormir comme ça toutes les nuits. Mais pas en ce moment parce qu'il fait quand même froid la nuit. Hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Et à vous abonner, attention là, oh, mais t'es pas abonné. Eh, y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Alors n'hésite pas, abonne-toi. Mais t'as vu ma gueule? Mais je suis pas coiffé. Bah c'est normal, je viens de me réveiller. Bref, je vous dis à la prochaine. Il y a un petit sondage qui apparaît juste ici pour dire la prochaine vidéo. Et vous choisissez, voilà, c'est très simple. La tête que j'ai, gros. Wesh. Allez. Thank you.